Copenhague est la capitale du Danemark, mais c'est aussi la capitale du bâtiment écologique. Nous sommes devant une des antennes des Nations Unies, un édifice équipé entre autres de 1400 panneaux solaires et d'un système de climatisation à l'eau de mer. Les performances énergétiques de ce type de bâtiment n'ont rien à voir avec ce qui se faisait il y a 20 ans à peine. Regardez plutôt. Le bâtiment est dans l'Union européenne un gouffre d'énergie. 40% de l'énergie totale consommée, devant les transports et l'industrie. Les économies d'énergie dans le bâtiment sont donc un enjeu économique et écologique majeur. Des maisons à basse consommation, dites passives, existent déjà par milliers en Europe du Nord, en Allemagne et en Suisse, ayant largement démontré que les solutions techniques existent. Cela permet d'atteindre une consommation très basse dans ces bâtiments, environ 50 kWh par mètre carré et par an, soit 8 fois moins qu'un bâtiment moyen classique datant des années 1970. Un bâtiment à énergie positive fait encore plus fort. C'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour son fonctionnement. Cela est possible grâce à une production locale d'énergie avec des moyens de captage ou de production, comme des capteurs photovoltaïques, des chauffe-eau solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur enfouies dans le sol, etc., etc. Les bâtiments à énergie positive sont de plus en plus innovants et de plus en plus nombreux, bien qu'encore trop rares. Ce sont principalement des bureaux, un tiers sont des maisons individuelles et le reste des logements collectifs. Le Danemark est en avance sur les autres pays européens parce que les Danois ont été les premiers à adopter des lois sur l'environnement. La France cherche à rattraper son retard et à cet égard, je vous propose la visite d'un bâtiment à énergie positive en région parisienne, le Green Office à Meudon. Les bâtiments intelligents fleurissent partout en Europe. De nouvelles normes de construction s'imposent en effet pour que les bâtiments neufs consomment de moins en moins d'énergie. L'objectif pour 2020 est bien plus ambitieux. Généraliser les bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire ceux qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Pour en arriver là, il faut réunir une bonne isolation, une bonne circulation de l'air, une maîtrise de l'ensoleillement et aussi de tous les appareils électriques, sans oublier bien sûr la production d'énergie dans le bâtiment. Facile à dire, mais plus dur à réaliser. C'est le cas du Green Office. Ce bâtiment intelligent est un modèle du genre. Sur une surface de 23 000 m², il loge les bureaux de 1250 employés. Toute l'ingénierie de ce bâtiment est tournée vers le développement durable et la production d'énergie verte. Après 3 ans de service, il peut afficher déjà un bilan énergétique très positif. Il est capable de produire chaque année 80 kWh par mètre carré, alors qu'il n'en consomme que 9 dixièmes. Éric Mazoyer, à l'origine du projet, a tout pensé pour limiter les déperditions d'énergie. Dans un bâtiment de bureau, les deux principaux postes de dépense d'énergie, c'est la climatisation et l'énergie de la lumière pour les femmes et les hommes qui travaillent dans cet immeuble. Le premier enjeu pour Éric Mazoyer, la climatisation. Trop énergivore, elle a été proscrite du Green Office. À la place, le bâtiment est doté d'un système de ventilation intelligent. 50 000 capteurs de température sont disséminés dans son ensemble. Et quand les bureaux dépassent les 21 degrés, ils s'autorégulent grâce à un système de circulation d'air naturel et automatisé. On se sert en fonction des saisons de ce système qu'on a inventé, qui est une porte qui est pilotée par un ordinateur et qui permet en fait de mettre l'immeuble en équilibre thermique entre les évolutions exogènes, externes, c'est-à-dire la météo, et puis la façon dont l'immeuble se comporte en interne. Par exemple, l'été, ça permet à ce clapet de s'ouvrir pour aller chercher de la fraîcheur à l'extérieur, notamment la nuit. Cette fraîcheur est ensuite balaye l'ensemble de la structure, se stocke la nuit dans la structure, et le jour se diffuse et permet au bâtiment d'avoir une température tempérée. Le deuxième défi pour Éric Mazoyer était de limiter la surconsommation d'énergie liée aux multiples lampes des bureaux. Il a fait le choix de privilégier au maximum la lumière naturelle. On a plutôt tendance en France à bunkériser un peu nos immeubles, c'est-à-dire à avoir le moins de fenêtres possible, alors que nous, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a misé sur la lumière. En fait, on a 50% des surfaces qui sont vitrées par rapport à 50% des surfaces de façade qui sont pleines. En plus d'une conception favorisant la lumière du jour, le bâtiment est capable de calibrer l'éclairage artificiel en fonction des besoins.
Des détecteurs de mouvement reliés aux lampes permettent d'éteindre automatiquement la lumière lorsqu'un employé n'est plus à son bureau. Le bâtiment est donc entièrement piloté par un centre nerveux qui s'adapte à toute situation pour éviter les dépenses énergétiques inutiles. Mais le Green Office va encore plus loin dans la traque à la consommation d'énergie grâce à un logiciel ultra performant qu'utilise régulièrement François Pacoureau, responsable de l'environnement du bâtiment. Ce logiciel nous permet de mesurer chaque consommation liée à des usages, contrairement aux autres immeubles classiques où on a une facture globale qu'on subit en général et dont on ne mesure absolument pas le détail. Ici, pour tous les usages qu'on étudie, chauffage, ascenseur, bureautique, éclairage, on est capable de dire mois par mois quelle est la consommation de chacun de ces usages. Ça nous permet donc, en connaissance de cause, d'agir sur ces consommations-là et de faire des économies. Et du coup, il est possible de détecter certains problèmes, comme par exemple celui des ordinateurs allumés sans raison. Nous voyons là sur l'écran la consommation quotidienne avec les jours et la nuit. On voit là ce qu'on appelle le talon. Donc il y a une consommation résiduelle permanente la nuit qui est liée aux ordinateurs qui ne sont pas éteints, etc. Et donc globalement, cette consommation résiduelle sur une année qui représente 40% de la consommation bureautique. Donc il y a une manière d'agir. Dans un bâtiment classique, rien ne permet de détecter des anomalies ou de faire des économies sur tel ou tel poste. Dans ce cas précis, les employés seront incités à éteindre leurs ordinateurs le soir et le week-end. Résultat de tous ces efforts, le Green Office consomme 3 fois moins qu'un immeuble de bureau traditionnel. Mais tout cela ne suffit pas pour être un bâtiment à énergie positive. Il faut aussi produire massivement son électricité. Ici, les panneaux photovoltaïques sont partout, sur les façades de l'immeuble, les toitures du parking et bien sûr les toits. Leur orientation est un élément essentiel pour que la production d'électricité soit optimum. Donc l'immeuble à énergie positive, c'est donc un immeuble qui consomme très très peu. Donc pour faire du positif, il faut produire plus qu'on ne consomme, c'est assez logique. Et pour produire plus d'énergie qu'on en consomme, on a mis en place un parc photovoltaïque sur toutes les terrasses, très bien exposé. On a mis des panneaux à très très haut rendement qui ont été intégrés dans l'éco-conception du bâtiment pour être très très bien orientés. Vont prendre en fait le maximum de la puissance du soleil. Les panneaux photovoltaïques sont une pièce maîtresse du Green Office. À eux seuls, ils permettent de répondre à la moitié de ses besoins en énergie. Mais cela ne suffit pas. Le reste de ces ressources vient des sous-sols. Grâce à une chaudière d'un nouveau type, qui permet non seulement de chauffer le bâtiment, mais aussi de produire un surcroît d'électricité. Donc voilà, là vous êtes dans une des innovations techniques majeures de Green Office, c'est cet ensemble de cogénération. Alors la cogénération, c'est quoi ? Ce sont des chaudières qui fonctionnent avec de l'huile végétale, de l'huile de colza. Donc on brûle de l'huile de colza. À la sortie, sort deux choses, sort de la vapeur d'eau chaude qui permettent de chauffer le bâtiment. Et au passage, comme cette vapeur est sous pression, parce qu'en fait c'est un moteur, ça fait tourner une petite turbine électrique qui fabrique de l'énergie, de l'électricité, qui est autoconsommée, donc qui est consommée par le bâtiment. Une production d'énergie de plus en plus verte grâce à la combinaison de la cogénération et des panneaux photovoltaïques. Cela permet de générer une énergie abondante et surtout excédentaire. Au final, le Green Office produit 10% de plus qu'il n'en consomme. Aujourd'hui, en France, il existe environ 200 bâtiments à énergie positive. Mais le phénomène prend de l'ampleur, puisque 20 à 30 nouveaux édifices sortent de terre chaque année. La France de demain sera positive. Toujours dans ce bâtiment des Nations Unies, je suis maintenant en compagnie du ministre danois de l'Énergie, du Climat et des Travaux Publics, Rasmus Helveg Petersen. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous me dire pourquoi le Danemark est-il aussi en pointe dans le domaine de la performance énergétique ? C'est le résultat d'une politique que nous menons depuis très longtemps, puisqu'elle remonte aux années 70, où à la suite des chocs pétroliers, l'économie danoise a été frappée de plein fouet par la flambée des prix du pétrole. Au fil des ans, nous avons resserré notre législation, notamment dans le domaine de la construction, pour avoir aujourd'hui la législation la plus stricte dans ce domaine en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte environnementale. Et cette politique a bien porté ses fruits. Il y a donc une explication historique. Est-ce que votre portefeuille, qui couvre à la fois le climat, l'énergie et la construction via les travaux publics, est aussi une raison de cette efficacité ?
En partie seulement, car ces domaines ne sont regroupés sous un même ministère que depuis quelques années, même si c'est une solution évidente pour l'avenir. Il est clair que la part du bâti par rapport à l'empreinte environnementale totale est telle qu'il est indispensable de la prendre en compte quand il s'agit d'élaborer une législation globale en matière de réduction des émissions de carbone. Est-ce que c'est un investissement énorme que de développer un parc immobilier dédié justement à l'efficacité énergétique? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que des constructions classiques? Le coût est naturellement plus élevé, c'est certain. Mais le coût total du bâti ne se résume pas au coût de la construction. Il faut prendre en compte les coûts liés à l'entretien, au chauffage, etc. Et ces coûts sont par définition faibles si l'efficacité énergétique est prise en compte dès le départ, donc sur la vie d'un bâtiment qui peut être de 30, 40, voire 50 ans. Il ne fait aucun doute que le bâti construit pour être énergétiquement raisonnable ou sobre revient moins cher que le bâti conventionnel, puisque les coûts ultérieurs seront moins importants. C'est une bonne affaire si l'on accepte le fait que l'investissement de départ est plus important. Mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, les promoteurs savent construire du bâtiment à énergie basse qui coûte seulement 10 à 20% de plus que le bâti traditionnel. Et sur la durée de vie du bâtiment, ce surcoût se trouve très largement amorti. On croise beaucoup de vélos à Copenhague et beaucoup de bâtiments très technologiques, orientés vers l'efficacité énergétique. Est-ce que justement le secret du succès en la matière, c'est cette combinaison des choses simples et des choses sophistiquées? Oui, si vous voulez. La consommation d'énergie au Danemark est aujourd'hui aussi élevée qu'en 1980. Mais notre économie est aujourd'hui deux fois plus puissante par rapport à cette date. Autrement dit, en faisant le choix d'une politique orientée vers une réduction de la consommation d'énergie, autant par la recherche de solutions hautement technologiques qu'en incitant les gens à prendre leur vélo, nous avons réussi à maintenir la consommation d'énergie élevée tout en réduisant notre empreinte carbone. C'est un succès unique, qui tient aussi au fait, comme vous l'observez si justement, que nous combinons de nombreuses solutions. Mais j'insiste sur le fait que cette politique date de la crise pétrolière, où nous avons pris la décision de ne plus dépendre du pétrole, en utilisant toutes les solutions disponibles, qu'elles soient high-tech ou low-tech. Je crois savoir qu'il y a un projet pour Copenhague, pour en faire une ville neutre d'un point de vue des émissions de carbone à l'horizon 2025. Est-ce que c'est un projet qui est toujours d'actualité? Est-ce que c'est crédible, cette perspective? Si on ne se fixe pas d'objectifs ambitieux, on est certain de ne pas les atteindre. Oui, le fait même de se fixer des objectifs est la condition même pour parvenir à un résultat. Celui-ci reste tout à fait réaliste. Nous sommes bien conscients des nombreuses difficultés qu'il nous faudra résoudre, en particulier dans le domaine des transports. D'un autre côté, nous voyons que les technologies se développent sans cesse. Les éoliennes que nous voyons par la fenêtre sont infiniment plus performantes que celles qui étaient construites il y a 10 ans. De même, le bâtiment où nous sommes assis aujourd'hui est beaucoup plus performant qu'un bâti neuf construit il y a 10 ans. Si la technologie continue à évoluer ainsi, notre objectif n'est pas du tout irréaliste, bien au contraire. J'ai l'habitude de dire que le plus coûteux serait d'opter aujourd'hui pour la solution la moins chère, car c'est celle-là qui nous reviendrait le plus cher à long terme. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Je crois que vous avez maintenant un rendez-vous urgent au Parlement. Donc on va vous rendre à vos obligations. Et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag. Les bâtiments intelligents fleurissent au Danemark et commencent à voir le jour en France. Mais d'autres projets sont à l'étude, plus ambitieux, plus utopique peut-être aussi, car ils vont beaucoup plus loin. Et c'est notre bref du web. Dans l'émirat d'Abu Dhabi, on ne se contente pas de bâtiments intelligents. On construit une véritable ville intelligente destinée à accueillir 50 000 habitants. Une oasis futuriste appelée Masdar, qui se veut être la première ville 100% durable. Sa construction a débuté en 2008 et voilà à quoi elle pourrait ressembler. Le projet est un savant mariage entre les traditionnelles cités du désert, construites pour lutter contre la chaleur, et des technologies les plus modernes. Ce serait aussi la seule ville qui fonctionnerait uniquement à l'énergie solaire et éolienne, et les voitures y seraient complètement interdites, des navettes électriques permettant d'entrer et de sortir de la ville. Le projet, que certains désignent comme une ville utopique sécurisée, dont le coût dépasse 22 milliards d'euros, devrait ouvrir en 2020.